بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم يا رب صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على الحبيب سلطة بلي دي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل بيد الله سبحانه وتعالى sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Mes frères et sœurs en humanité, je pense que vous avez commencé, alhamdoulilah, je pense que vous avez commencé à mener la recherche qui vous mènera vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je pense que vous avez commencé à mener la recherche qui vous mènera à la plus grande vérité que la terre a connue depuis sa création jusqu'à la fin des temps, qui est la vérité de la guidée, de l'islam. Je pense que quelques-uns sont en train de faire le premier pas vers la réponse à beaucoup, beaucoup de questions existentielles, sociales, économiques, spirituelles, de tous les nouveaux, de tous les domaines qui sont en train de se poser, je pense. Si vous ne le faites pas encore, vous allez vous débarrasser, s'il vous plaît, de tout votre bagage que vous avez accumulé sur un certain nombre d'années, vous allez le mettre de côté et vous allez commencer sincèrement, sérieusement, objectivement, justement, avec une grande justice, à mener la recherche qui vous mènera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, le divorce n'est pas bien, vous le savez. Je ne vous apprends rien en vous le disant. Le divorce est en train d'exploser dans les pays musulmans. Quand on dit pays musulmans, s'il vous plaît, c'est entre parenthèses le musulman. Parce que les pays aujourd'hui dits musulmans appliquent tout sauf l'islam. D'accord ? Ils ont vraiment banni l'éducation islamique. Ils ont banni l'islam, ils ont banni tout ça. Ils gardent quelques petites coutumes en plus qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc la grande majorité des pays musulmans, ou dits musulmans, sont loin de l'islam. Donc arrêtez de dire, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans, il ne faut pas dire ça. Regardez ce qui se passe dans les pays dits musulmans. Rajoutez le dit musulman. Donc il est en train d'exploser, le divorce est en train d'exploser dans les pays dits musulmans. Il est en train d'exploser là où il y a les musulmans, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Il est en train de faire des ravages dans le monde dit musulman et dans le monde globalement. Et même si on prend les non-musulmans, le divorce explose aussi et les gens de toute façon ne se marient plus. Ils ne se cassent plus la tête. Le mariage est la cellule et le noyau de la vie. Le mariage est la cellule et le noyau de la famille. Le mariage est très 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 important. D'accord ? Donc jusque là, on est d'accord. Allah yarda alaykoum, les hommes, ne vous mariez pas pour divorcer. Beaucoup d'hommes se marient pour divorcer. D'accord ? Allah yarzakoum bikhair, les hommes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez vous marier, posez-vous la question, pourquoi je veux me marier? Et observez ce que le Coran et la Sunna disent par rapport au mariage. Le mariage est très 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 important. Donc on ne se marie pas pour faire une injustice, pour faire subir à une femme une injustice, pour détruire la nouvelle génération qui arrive. Déjà, les précédentes, malheureusement, vous savez ce qui se passe. L'actuel, vous voyez ce qui se passe malheureusement. Allahu al-musta'an. Donc les hommes craignent Allah subhanahu wa ta'ala. On se marie, on réfléchit bien, on médite bien, on fait la prière de consultation, on s'éduque, on fait le repentir sincère, on s'élève avec l'islam.
on travaille sur notre comportement, on médite bien. Et quand on se marie, c'est pour la durée. C'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se préserver, pour se protéger, pour avoir, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une progéniture pieuse, qu'on va préparer pour qu'elle soit pieuse, pour qu'elle soit bien. La chose la plus importante que tu dois faire sur ta progéniture, c'est de l'éduquer bien. C'est lui le faire atteindre les nobles caractères dès sa naissance, tant que tu es responsable d'elle. Là, on est d'accord. Les femmes aussi, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense les femmes. Quand on se marie, c'est pas parce qu'il y a eu un coup de foudre. C'est parce que je l'ai vu, il m'a dit je t'aime. Ou parce que mon cœur tremble dès que je le vois. Parce qu'il a un physique de rêve. Parce qu'il a une belle voix. Ou parce qu'il m'a dit je t'aime. Les jeunes aujourd'hui sont tellement malheureux, ils ont tellement pas connu la tendresse et la clémence et la miséricorde dans leur nid familial, qu'à chaque fois qu'ils voient quelqu'un, je t'aime et tu m'aimes. Et malheureusement, ça nous fait des fiascos. Dès que quelqu'un te dit je t'aime, regarde, pense à Shaitan. Dès que tu entends je t'aime, pense à Shaitan. Par contre, quand ton mari te dit je t'aime, là, pense à la plus belle des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, qui est le mariage. Je t'aime, c'est dans un couple qui a respecté les préceptes de l'islam avant le mariage, pendant les fiançailles, au moment où il est venu voir les parents pour demander la fille. Attention, se marie pas sans wali, attention, tout ça, je l'ai répété plusieurs fois. Donc là, je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Donc les femmes, beaucoup de ces histoires basées sur je t'aime et les textos et j'arrive pas à dormir depuis que je t'ai vu et tout ça finissent très 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 mal. Et la victime, c'est toi la femme. Et la victime sont les enfants. Et la victime, c'est les musulmans, malheureusement. Et la victime, c'est une génération qu'on va détruire encore et encore et encore, malheureusement. Mais le divorce existe. Le divorce peut être une solution quand ça devient impossible, quand ça devient intenable, quand malheureusement l'homme ne respecte plus sa femme, la femme ne respecte plus son mari, quand il y a des dégâts à longueur de journée, quand il y a des problèmes, quand ça commence à frapper, quand ça commence à insulter, quand ça commence à manquer de respect, quand la maison devient un jahim. Le divorce peut être une solution. Donc le divorce chez les musulmans n'est pas interdit. Du tout, du tout, du tout. Mais nous devons quand même respecter quelques étapes avant d'arriver à cette solution qui s'appelle le divorce. Il y a pas mal d'étapes que j'avais déjà expliquées dans d'autres vidéos et que vous pouvez aussi trouver dans les livres et dans les rappels, alhamdoulilah. Maintenant, j'entends souvent, je reçois des lettres souvent, j'entends un hadith qui circule entre les gens et qui fait que malgré toutes les situations qu'ils vivent, ils pensent souvent à ce hadith. Donc avec une bonne intention, ils pensent souvent à ce hadith. Donc dans la maison, le mari fait des scandales, il boit de l'alcool, il frappe, il fait des choses. La femme n'écoute pas son mari, sort à longueur de journée, elle laisse le mari avec les enfants, elle part à 55 km en boîte de nuit. J'ai eu ça, j'ai essayé d'intervenir entre un couple et le monsieur m'a dit devant son épouse, elle me laisse avec les enfants, elle part avec ses copines en boîte de nuit, à 55 km de chez nous par exemple. Donc c'est des gags malheureusement, des choses extraordinaires. Donc à ce moment-là, on essaye de mettre les exhortations de le Coran, toutes les exhortations du Coran avant d'arriver au divorce. Mais s'il vous plaît, avant même de se marier, suivons toutes les exhortations du Coran et les exhortations de la Sunna avant même d'arriver au mariage. Mais quand on arrive au mariage, on s'est marié, alhamdoulilah, en mettant le critère principal d'in. Et rien n'interdit que la femme et l'homme soient beaux, qu'ils soient riches, qu'ils soient nobles, qu'ils soient tout ce que vous voulez. Rien n'interdit. On te dit pas, cherche d'in. Et il cherche une femme qui n'est pas belle, ou là, non, qui n'est pas beau, là, non, non. Juste le critère le plus important d'in. Donc quand il a d'in, il peut aussi avoir la beauté, la noblesse, l'argent, tout ça. C'est pas interdit. Donc ne comprenez pas le hadith, une compréhension bizarre. Oui. Mais le critère toujours le plus important dans toute notre vie, c'est d'in, c'est la religion et le comportement. Donc quand on a fait tout ça, on se marie. Après, il y a des problématiques de la vie qui s'installent. La solution, c'est toujours soumettre la problématique à Allah subhanahu wa ta'ala,
Al Qur'an, à la Sunna et à ce que disent les savants. Dans un couple, s'il y a ça, le couple vivra vraiment bien heureux. Il sera apaisé. Il sortira une nouvelle génération, inchallah, qui changera le monde. Donc, ça devient maintenant strictement impossible. Voilà, on a tout essayé, ça ne marche pas. On veut arriver au divorce. Là, il y a un hadith qui tombe. Et les gens, subhanallah, te disent, j'ai peur de ce hadith. Moi, je veux pas faire trembler le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le hadith, si dans toute cette vidéo, vous ne retenez que ça, alhamdoulilah. Ce hadith est un hadith mawdou'. C'est de la pure invention humaine. Ce hadith, il dit quoi ? Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu lahu 'arshu ar-rahman aw yatazazza'u lahu 'arshu ar-rahman. Mariez-vous et ne divorcez pas parce que le divorce fait trembler le trône d'Allah. Ça, c'est un hadith mawdou', c'est de la pure invention humaine. C'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Hacha, il a pas dit ça. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Balighu anni wa law aya wa hadithu an bani Israila wa la haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui, donc la dernière partie de ce hadith qui m'intéresse là, dont je rappelle, celui qui invente, celui qui ment sur moi, celui qui invente une parole qui dit que c'est moi qui l'a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il a sa place en enfer, qu'il sache qu'il a réservé sa place en enfer. D'accord ? Donc il y a quelqu'un dans l'histoire, on l'a quelques-uns dans l'histoire musulmane, qui a inventé cette parole, qui n'est pas un hadith, ce n'est pas un hadith. Donc on ne dit plus hadith de prophète, ça c'est pas un hadith. C'est de la pure invention satanique d'un humain qu'il a inventé ça. D'accord ? Et on n'imagine pas le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le trône d'Allah doit trembler pour chaque divorce, il ne serait plus là depuis X années, des milliards d'années, parce que les divorces explosent partout depuis même des centaines d'années maintenant. Donc on n'imagine pas, en plus on n'imagine pas le trône d'Allah, une chaise, non, on arrête, le cerveau humain il s'arrête devant ça, de toute façon. Mais ce type de parole, mariez-vous, ne divorcez pas, parce que le divorce fait trembler le trône d'Allah, ça c'est de la pure invention. Donc oubliez ça s'il vous plaît. On respecte les préceptes avant le mariage. On se concentre sur les préceptes avant le mariage. On observe le futur mari, on observe la future femme. Le critère principal c'est la religion. Mais rien n'interdit que d'autres critères arrivent derrière. Mais le critère le plus important c'est la religion et le comportement. C'est pas l'idéologie, ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas. Donc c'est une longue recherche qu'on mène sur le futur marié. Sinon, mes frères et sœurs, je vous le dis franchement, ça finit toujours par des fiascos. Et la victime, c'est toujours les enfants, la femme et quelque part l'homme. Parce que beaucoup d'hommes aussi tombent dans la dépression, dans l'alcool, dans tout ça, à cause du divorce. Je connais, on a vu, on a reçu, on a observé des histoires d'hommes qui ont détruit toute leur vie parce que sa femme l'a quitté. Elle est partie avec un autre. Voilà, elle a demandé le divorce pour aucune cause. Voilà, ça c'est des épreuves. Donc c'est toujours le couple qui est détruit malheureusement, qui est ravagé quand on ne respecte pas les préceptes de l'islam dans toute la chaîne, de A à Z, du début de la chaîne jusqu'à la fin. Je respecte et Allah subhanahu wa ta'ala me trouvera une issue. « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ » Celui qui craint Allah, Allah lui trouve une issue. Allah lui trouve une issue. « وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ » Il lui donne le rizq. D'endroits qu'il n'attendait pas. Le risque vient alors qu'il n'attendait pas, subhanallah. Allah facilite à celui qui veut se marier. Et surtout quand il respecte tous les préceptes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilite. Mais le divorce est la dernière solution. La dernière solution. Il a vraiment la dernière. C'est quand ça devient impossible. Chez nous, chez les musulmans, en islam, le divorce n'est pas haram, n'est pas interdit. N'est pas strictement interdit. Donc il peut être une solution quand ça devient impossible, quand ça menace la vie de la femme ou les enfants, quand ça menace la stabilité des enfants, quand ça menace la stabilité du couple, le divorce n'est pas interdit du tout, du tout, du tout. Et on ne peut pas sortir ce type de hadith que je vois en ce moment où je reçois des lettres, que je le vois aussi sur internet. Cette parole, ce n'est pas un hadith, c'est maudou, pure invention. Ça marche ? Je compte sur vous, mes frères et sœurs, pour propager cette vidéo, pour propager plus globalement les vidéos de l'Oasis de l'Excellence et les rappels, pour dupliquer mon compte l'Oasis de l'Excellence sur YouTube, dupliquez-le,
Ça vous demandera quelques minutes, mais ça multipliera les chances et les occasions que les gens visualisent ces vidéos. Il paraît que ça sert à beaucoup de typologies de gens, subhanallah, même à des non-musulmans, ça sert, même à des égarés, ça sert, à beaucoup, beaucoup de typologies de musulmans, même à des gens, alhamdoulilah, qui sont dans le da'wah, apparemment ça leur sert, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont bien. Rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Si nous sommes croyants, le rappel nous profite, quel qu'il soit. D'accord? Et c'est à partir du moment où ils respectent Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, qu'il n'égare pas les gens, qu'il n'essaye pas d'avoir une niya mauvaise, et surtout quand il a la sincérité. Donc Allah yajazikoum bikhair, aidez-moi, propagez ce type de vidéo. Ce hadith, beaucoup, beaucoup de gens le répètent. Ne dites pas que si vous entendez un prédicateur le dire, ne lui dites pas « Ah, tu as égaré, tu as fait. » Non, non, doucement, intelligemment, on envoie un petit mail, on le parle voir tout seul, sans lui faire la fadriha. On lui dit « C'est un hadith, maudou. » C'est vrai qu'on l'entend souvent dans les khutab de Jumu'ah, dans des cassettes, chez même les plus grands prédicateurs que l'islam a connus sur les 30 dernières années. Et ce hadith est répété, mais il faut absolument commencer à nettoyer, à dire aux gens que alhamdoulillah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire aussi un travail très important sur la science du hadith, sur l'authenticité des hadiths. Alhamdoulillah, il y a beaucoup, beaucoup qui ont fait beaucoup de travail, mashallah. Les contemporains, c'est l'Albani, alayhi rahmatullah. Donc on essaie quand même d'entamer la science et de ne pas laisser ces hadiths khurafat, mawdu'at, khuza'bilat, dont la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne sert pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu kana ghafara rahima. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence, YouTube et Facebook. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.